suis en retard. Là, on a changé d'école. C'est sur un autre site parce que on a plusieurs écoles différentes. Et je suis en retard, quoi. Bon, est-ce que maintenant ça vaut le coup que je me dépêche parce que là, je suis vraiment en retard? Je ne sais pas, telle est la question. Bref, on se retrouve pour une journée de cours, comme d'hab. Et ce soir, il va y avoir un truc iconique qui va se passer. Je vais aller à l'exposition de Fifou, Cissé et Magnon. Je suis invitée au vernissage, du coup. Fifou, si vous connaissez pas déjà, c'est le directeur artistique de toutes les stars françaises. Pelka, Aya, Gazo, Hamza, David Hallyday. Et du coup, Magnon, c'est le Fifou des States. Et le Cissé, c'est le Fifou de l'Angleterre. Et Magnon, c'est quelqu'un, parce qu'il a quand même photographié genre Rihanna, ASAP. Je sais plus si c'est Cissé ou Magnon. Enfin bref, tout le monde, quoi. Donc ça va être une soirée un peu iconique. On va pas se mentir. Donc je vous emmène avec moi pour cette petite journée très sympathique. J'ai pas mal de trucs à faire aujourd'hui. Elle a besoin d'un... On a besoin d'un truc de Nina ou pas? Tiens, d'ailleurs, je vais voir les vues là. Je pense que ça va continuer à augmenter. I wish. Puis on est un peu trop sérieux, on n'osait pas chercher un petit café, genre. Petit café? Une meuf qui a mis un commentaire une fois qui a dit: je comprends rien à ce que tu racontes à chaque fois sur ton projet. J'adore regarder tes vlogs. C'est mortel, je t'avoue, mais c'est vrai, j'explique trop mal. Ma fille, sa colère. Bon, moi aussi, colère en vrai. Ah ouais? On est là, on est sûr, hein? On est sûr. Oh, petit napolitain. Ah, direct, moi. Oh! Attends! Oh putain! Mon paquet, elle est restée bloquée. D'accord? On avait peur. On avait très peur. Mais meuf, regarde! C'est pour faire les reliures, ça! Mais il y a du matos de fou malade là! En fait, toutes les fois où je les ai critiquées en disant: ouais, vous demandez une qualité d'impression alors que vous n'êtes même pas capable de nous fournir une imprimante qui marche. Mais nous, on n'est pas au courant qu'elle est ici comme ça! Mais moi non plus! C'est du réseau, ça! C'est de la RISO, ça. Mais c'est trop stylé. Ça a l'air d'être un truc de pro, genre. Ouais, énorme. Putain, on aurait dû avoir ça. C'est le papier. Eh, mais moi, faut que j'aille à mon rendez-vous, là. Faut que je me mène. 55, c'est pile l'heure. Je suis arrivée au centre de santé pour faire mon échographie. Je peux pas vous dire à quel point j'ai la flemme de le faire. Ça fait 2 semaines que j'aurais dû le faire. Donc il était temps. J'espère que vous m'entendez bien parce qu'avec le bruit de la rue là, ça doit être cata. J'y suis jamais allée. C'est un stress, je déteste faire ça. Juste pour me faire enregistrer un rendez-vous, c'était super long. Les gars, j'ai fini mon échographie. Franchement, ça s'est très bien passé. Mais au moins, je suis rassurée, tout va bien. Vraiment, les copines, je vous encourage vraiment à aller faire checker les petits problèmes chez le médecin, etc. Déjà, ça te retire une charge mentale de la tête et t'es rassurée, quoi. On est allé chercher le matos pour faire des interviews avec mes copines. On va tout déposer et après, on va manger. Et il faudra que je vous explique aussi pourquoi je dois faire des interviews. Parce que j'ai l'impression que j'explique que dalle. Enfin, j'explique par morceaux, mais du coup, on comprend rien. Pas facile de tout faire. Je suis chargée comme un âne. J'ai l'appareil photo. Hâte que les interviews finissent. Je suis repassée chez moi parce que j'avais encore oublié ma caméra. Il n'y a pas de problème. Le Kanye West avec sa nouvelle poulette. Ah, c'est de la peine. Bon napolitain. Kimika. Une trop relation, bah en fait c'est pas possible. Mais depuis que tout le monde aligne les... Hein? De quoi? J'ai pas entendu. Non. C'est trop bizarre. Ça part. Petit gâteau, petite boisson fruit rouge. Attends. Et l'enroux, c'était vénère. Elle n'est pas trop marrante, genre. C'est vraiment mon mauvais profil. Poser ma caméra,
qu'avant on se plaignait parce qu'on n'avait pas tout. Ah, ça a l'air trop chocolat là. C'est frais noisette. Café noisette. C'était quoi? Je crois que j'avais goûté ça, c'était très bon. Vas-y, je vais goûter cappuccino Lyon. Ah ouais. C'est pas du tout comme ça. On a fait un petit rendez-vous avec la prof. On passe en février. Et en fait, on est bien. On est bien. On n'est pas en retard pour l'instant. Moi, je pense que je vais faire un petit wrap. Elle était trop gênée. Les gars, il pleut. Ma fourrure là, je vais sentir le chien mouillé. La prochaine fois, achète une fourrure waterproof en fait. Bah oui. Je vais mettre du spray à chaussures sur ma fourrure là. Grave. Genre, j'allais dire. Ouais. J'en ai plus. Et c'est cata ce vlog. J'ai l'impression qu'il va durer 10 minutes. J'ai strictement aucune idée. Bref. Je me suis appuyée sur l'ongle. Je vous ai pas filmé. Je suis allée à un petit centre commercial vite fait. Je suis passée chez Normal et chez NYX parce que fallait que je me rachète des trucs. J'ai craqué sur un truc que je devais pas acheter de base, c'est ça. En fait, je l'avais acheté de base pour Nina pour le Secret Santa. Je sais pas si vous avez vu la dernière vidéo. En fait, j'avais déjà de base envie de tester, mais quand je l'avais pris à Nina, je me l'étais pas pris. J'ai pris la base. Je vous conseille vraiment d'acheter les concealers chez Normal, ceux-là de chez Maybelline. Ils sont à 9€ je crois. La poudre Fit Me, pareil, je sais plus combien elle m'a coûté celle-là. Petit crayon à sourcils NYX et j'ai pris ça, le matte finish de chez NYX. De base j'avais le matte, mais Karine m'a conseillé celui-là. Bref, je vous explique le planning. Donc déjà ce soir, je vous explique un peu mieux ce qu'on va faire. Il y a le vernissage de l'exposition de Fifou, Sissé et Magnon, auquel je suis invitée avec ma copine Nafissa. Comme on est les DA juniors de Fifou. C'est quand même un big événement, il y aura plein de restas. Je suis trop la meuf on dirait. Je vous jure que je fais pas la meuf, hein, genre tranquille. Il y aura genre entre 600 et 800 personnes, enfin j'ai pas trop compris. Faut que j'aille me préparer, je vais me laver les cheveux. Je sais pas ce que je vais faire comme outfit. Et en fait le truc c'est que je vais pas me laver les cheveux si je me plaque les cheveux. Donc en fait faut que d'abord je choisisse mon outfit. J'ai envoyé des snaps à mes copines. Il y a de fortes chances que je ne garde pas mon manteau. Et j'aimerais bien mettre mon manteau en fourrure parce qu'il slay de fou. Si ça se trouve je vais pas le garder. Donc il va falloir que je slay avec ma tenue sans mon manteau. C'est difficile ça. Qu'est-ce que je mets? Est-ce que je mets des baskets? Est-ce que je mets mes Santiago argentées? Ou est-ce que je mets mes bottines en vinyle noir? Les meufs qui ont plein de vêtements, je sais pas comment elles font. Je vais vous montrer la tenue 1. Faites pas gaffe au bazar, c'est le bazar. Tenue 1, c'est ça. Manteau sympa, col roulé là, mon manteau et mes bottines. Sinon, je mets mes Santiago argentées, mais je suis pas fan. Ensuite, j'ai cette base. Petit manteau en fourrure. Là, j'ai un top manche courte. Ma jupe blanche en satin. Parce que moi, je l'aime bien parce qu'elle me met bien en valeur. Mes petites bottines. Et j'ai mis un col en dessous parce que sinon, ça faisait trop moche. Voilà. Soit avec le manteau en fourrure, soit avec mes baskets. Mais mes baskets, je trouve ça casse un peu. Je trouve ça pas fou. Sinon, avec ce manteau, très badass, avec les épaules et tout. Mes petites bottines toujours. Je sais pas. Je vais vous montrer sans manteau. Et sans manteau, ça donne ça. J'avais mis vraiment la même tenue pour mon nouvel an. De toute façon, je vous ai dit, j'ai genre une tenue un peu sympa et c'est tout. Donc ça. Ou sinon, j'ai cette tenue. C'est le même top moulant noir basique avec ce pantalon et mes Santiago. Ah, il y a mon copain qui est là. C'est le facteur. Je suis en plein essayage. J'aime bien cette tenue parce que je trouve que ça fait un peu fashion. Ça fait un peu plus fashion, un peu moins première de la classe. C'est le look avec mon manteau, mes Santiago. J'aime. Sinon, cette tenue avec mon manteau en fourrure. Franchement, j'aime bien aussi quand même. J'aime bien quand même le délire. Est-ce que c'est ce que je préfère? Je ne sais pas. 19h15, il me reste 1h15. Faut que je me dépêche de fou. Non, il me reste 1h en fait. Oh, j'ai plus de batterie. Bon, je vais tester ça. J'espère que ça va marcher. Je me dis, je vais pas laisser ça la nuit. Mais ça peut peut-être marcher pour déjà te donner une belle forme aux cheveux. Pour essayer de me faire gagner du temps. Ah, ça glisse. Mais comment les meufs, elles peuvent tenir ça? Ah, tu me parles pas? Non, je te parle pas. Toi. Et vas-y, ça m'énerve, j'aurais rien dû toucher.
Je vais faire mes mèches de devant. Je pense que je vais les couper un peu. C'est n'importe quoi. Je sais même pas quelle heure il est. Faut que je me dépêche. J'ai genre 15 minutes là. Je m'affiche comme ça sur YouTube, ça craint. Là, je vais vraiment faire mon maquillage de tous les jours. Là, ça flop. Punaise, j'ai le seum. Bon, je vais essayer de reprendre le désastre. Je suis grave en retard, mais les filles, elles ont choisi. Manteau en fourrure. Jean. Santiago. Je sais pas si manteau en fourrure, je suis fan avec ça. Les gars, j'ai pas pris mon micro parce que ça prend trop de place. Là, on est sur le chemin. J'essaie de tout vous vloguer, tout vous montrer. Nowadays the pain follow me, deal with trauma privately. I don't wanna be a burden, I handle things defiantly. Spent a decade searching for a higher power guiding me. Figured out that faith is not up there, that it's inside of me. Act with execution, what's a plan with zero action? Faced with bad habits. Moi qui nous filme. C'est celui qui a... Bloodline with me going forward smoking cool. Okay. Ah! 2 p.m. in Rome, we at the chapel eating sun-dried tomatoes and a plum wine. Life been like a movie, I don't know how long the runtime. Hope it's an extended cut, but when I die, I load my consciousness onto a thumb drive. And upload it to the masses when I pass. All my sets is holographic, life's as real as you imagine. My Jewish girl was tight, cause I ain't linger on the Sabbath. But it's Friday and I got a few robins, I need a basket. Playing traffic, if you wanna play the faction. We don't act, we getting active, stacking cash and dodging taxes. My father was a Catholic, never taught me how to practice. But with music, I'm a Baptist. Christen all these fucking tracks I bless these raps with. Standing in the middle of the mosh. Yeah, baby, both sides caving on the drive. Keep going, keep going, keep going. To my pops and the guys. Please help me out. Can you spare me for once? Que j'arrivais, j'ai grave faim. En fait, j'ai pas mangé, c'est ça le problème. Du coup, comme il n'y avait pas de nourriture, j'ai pas du tout mangé. Les gars, je suis actuellement en train de monter ce vlog et forcément, je n'ai pas fait d'outro. Oui, je sais, je ne vous ai toujours pas expliqué ce que je faisais comme projet d'étude. Je vous expliquerai mieux quand je ferai un vlog dédié à ça. Ce sera plus complet parce que là, c'est trop à l'arrache. J'espère que vous vous emmenez un peu dans les backstage de cette petite soirée et tout avec pas mal de monde. J'espère que ça vous aura intéressé, j'espère que ça vous aura plu. C'était une soirée plutôt chouette. C'était cool de voir l'expo en avant-première avant de le voir sur les réseaux, etc. Donc, c'était une expo en tout cas qui est finie, qui a duré seulement 2 jours ou 3, je ne sais plus. Vous ne pourrez plus la voir. Enfin bref, voilà, du coup vous avez quand même vu un petit aperçu de l'exposition et de l'ambiance. Les soirées parisiennes quoi. J'espère que vous avez la ref. N'hésitez pas à vous abonner et à commenter vos retours comme d'habitude, j'aime trop vous lire. Et je vous fais de gros bisous.